Le top départ de la 8e édition du Festival international Parole de Conteur a été donné ce mercredi 14 septembre 2022 par l'initiatrice, l'actrice conteuse Kofi Amoin, connue sous le nom de Amoin dans la série télévisée Ma Famille. Cette 8e édition a été officiellement lancée au cours d'une conférence de presse au Musée des cultures contemporaines à Damatungara d'Abobo. C'était en présence de plusieurs personnalités et partenaires du dit événement. « Ma paix dépend de la paix de ma nation », tel est le thème de cette édition 2022. « Ma paix dépend de la paix de ma nation », ce thème c'est pour dire à tout un chacun, que tu sois ivoirien, que tu sois africain, être humain, tu es sur cette terre. Là où tu résides, tant qu'il n'y a pas de paix, toi-même tu n'auras jamais de paix. C'est pourquoi nous insistons sur la paix, dépend de la paix de ma nation. Si ta nation n'est pas en paix, tu ne peux pas entreprendre. Le festival, déjà, il y a festif dedans. C'est-à-dire qu'on se réunit au plan international et il n'y a que la parole qui compte. Et qui dit parole dit oralité. Et qui dit oralité dit conte. Et à cet effet, cette 8e édition, nous l'avons fait de façon un peu éclatée. Et c'est pourquoi il y aura des spectacles de conte dans des groupes scolaires, à savoir le groupe scolaire Djeke Avré de Paix de Cocody, 9 kilos. Et le groupe scolaire des Ceylon's Children of Africa, c'est-à-dire le conte va vers les enfants dans les écoles pour les enseigner, pour les éduquer, parce que le conte est un moralisateur. Le rendez-vous est donc pris du 2 au 5 novembre 2022 pour le Festival international Parole du Conteur du côté de Cocody et d'Abobo à l'Échiquoi. Le conte, en Patéba, nous disait que c'était nos livres. On a souvent cherché les richesses de la culture africaine dans les grottes rupestres, mais pour lui, c'est dans les contes, dans les récits, la beauté de l'esthétique et les valeurs philosophiques profondes qui sont véhiculés et qui avaient pour but de parfaire l'accomplissement spirituel, intellectuel de l'individu pour son harmonisation au sein de la société. Donc, j'invite tous à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cette action matériellement, intellectuellement, ainsi que par nos présences. C'est important, surtout le rôle que jouent les contes, la tradition que nous avons, nous pouvons les perpétrer à travers les contes.